Complètement, parce que là Youssala, même avec le sourire, elle a pu placer le mot. Oui, j'étais tellement excitée, c'est l'un de mes hits préférés du coup. Merci beaucoup d'avoir participé. Je t'aime.
toi et que c'est Amin Mtkori qui s'occupait du son, qui à l'époque avait dirigé Jacqueline Laloli en lui disant « Si tu n'écoutes pas tous ceux qui se présentent à l'audition, va écouter celle-là parce qu'on avait vu naturellement avec toi. » Voilà. Comme quoi la vie est faite de belles rencontres comme la tienne. Alors, Nitya, moi je poserai la question par rapport à notre invité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a démarqué des autres? Moi, ce qui m'a marqué, c'est Maria, qui connaît quand même depuis de nombreuses années, c'était la force de sa voix, qui portait très très loin et que j'ai entendue dans un couloir. Mmh. Et ça m'a interpellée et je me suis dit, c'est fou, c'est qui, comment elle peut chanter aussi fort. Elle chantait avec ses tripes, avec beaucoup d'émotion et vraiment. La musique ne devait être qu'un parallèle. Je suis diplômée quand même en management communication, j'ai ma licence en droit et j'avais monté ma société, je vendais du matériel informatique. Et la musique ne devait être qu'un un plus, un leisure time, un loisir, mais c'est pas tout. Et est-ce que chanteuse veut dire ignare? Est-ce que artiste veut dire l'ascenseur émotionnel a été à son plus grand niveau avec le Covid. Donc, quand on peut avoir un peu de légèreté dans la tête et de joie de vivre, ben on prend. Très bien. Voilà. On reste ensemble. Merci de répondre à l'invitation de chanteur Maria Massiri que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Il sera avec nous dans quelques instants sur les ondes de chanteur. Notre invité, docteur Robert Evelyn. On va parler de diabète au Maroc. Et bien sûr, il faut le suivre sur sa page Instagram. C'est un influenceur. Restez à l'écoute si vous souhaitez venir à parler avec notre invité, venir à témoigner si vous la connaissez. Un ennemi. Je ne sais pas si j'ai des ennemis, mais bon, certainement peut-être. Bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est même pas grave. 0537-20-44-73. Et si vous souhaitez venir parler de votre parcours, c'est sur ma page Instagram. Alice Lachregan, à tout de suite. Je suis bien Rizla Chupac. Rizla Chupac, Al-Sana M'Soudi. Sana M'Soudi. Des plus belles brochettes de bluesmen jamais réunies. Des poids lourds du blues américain, mais aussi britannique. Nous retrouvons cette semaine...